passes toute la nuit ici? Comme moi, Myriam. Tu t'es endormie en même temps que moi hier soir. Puis là, je pense qu'on vient de se réveiller. Qu'est-ce que les autres vont penser? Oh, ça a pas l'air de les déranger bien gros. En tout cas, ils l'ont pas manifesté. Je suis content d'avoir été aussi longtemps avec toi, Myriam. T'es comme dans un nid, tu trouves pas? Raconte-moi ton rêve. Comment ça, mon rêve? Mais t'as dû rêver, c'est certain. On rêve tout le temps quand on dort. Commence par me raconter le tien. J'ai rêvé que j'allais en vendre de la jument. Que j'étais tout petit puis que je suçais mon pouce. J'entendais plein de sons qui me traversaient partout. C'est comme si je flottais. Ça faisait drôle d'essayer de toucher la jument en étant dans son ventre. C'est un bizarre de rêve, tu trouves pas? Je le trouve très beau. Le sais maintenant. Tu l'aimeras pas? Mais pourquoi? Il n'y avait pas de chevaux dans le mien. C'est pas grave, raconte pareil. J'étais dans un grand champ, plein de marguerites, avec des nuages qui avaient l'air de marches d'escalier. Je les montais pour aller te rejoindre, parce que toi, t'étais tout en haut. Qu'est-ce que je faisais là? J'imagine que tu devais m'attendre. T'avais des ailes toutes blanches, puis qui battaient là, très rapidement, comme celles des oiseaux-mouches. Quand je suis arrivée près de toi, tu t'es levée dans le vide, puis tu m'as dit de faire comme toi. Mais je pouvais pas. J'avais pas d'ailes, moi. Ça te faisait rien. Mais c'était pourtant pas drôle. Je sais bien. Mais ça arrive, des choses comme ça dans mes rêves. Tu m'as dit d'attendre, puis t'es parti. Pour où? T'es allé chercher un grand monsieur qui m'a prêté ses ailes, qui nous a regardés voler en faisant toutes sortes de pirouettes dans le ciel. Puis ensuite? C'est tout. Je me suis réveillée après. C'est un beau rêve, comme le mien. Est-ce que t'es heureuse, Myriam? Je commence à l'être, Maxime. Grâce à toi. Maintenant, faut rentrer. Ce soir, promets-moi que tu vas dormir dans ton lit, dans ta nouvelle chambre. On verra ce soir. Là, je vais donner du foin à la jument. Si poulain doit avoir faim dans son ventre. Pas besoin de vous demander si vous avez passé une bonne nuit. Ça se voit tout de suite. C'est pas fin, Eric. T'aurais dû venir me chercher. Laissez dormir quand c'est rempli de monde à la maison. Même si vous étiez pas là, on s'est pas ennuyé. Judith et Junior ont joué de la musique toute la nuit. Je le sais. J'ai entendu qu'on chez dans le ventre de la jument. Dans le ventre de la jument? C'est un rêve que Maxime a fait. Ah, j'aime mieux ça que ce soit seulement un rêve. Si on se presse pas trop, t'as juste le temps de me le raconter avant qu'on arrive à la maison. Bonjour, Marie-Soleil. C'est déjà vous, Monsieur Couture? Aussi de bonheur! Pardon, je ne faisais que tourner en rond chez moi, alors je suis sorti avec Albertine pour faire une marche afin de tromper la tante et nous nous sommes retrouvés ici. Assoyez-vous. Oui. Je vous apporte du café. Merci. Et c'est là-dessus que je vais parler. Vous ne m'aviez pas prévenu de cela, très chère Albertine. Il y a encore beaucoup d'autres surprises de ce genre qui m'attendent. Quelques-unes, peut-être. J'aimerais mieux que vous me mettiez au courant tout de suite. Et vous aussi, Marie-Soleil. De seulement parler en public, cela sera déjà si difficile pour moi que de penser que quelque chose d'imprévu pourrait survenir. Cela me fait des papillons dans l'estomac. Monsieur Couture, vous allez voir, tout va très bien se passer. Je voudrais bien, mais j'ai peur, j'ai très peur. Il me semble que je vais être totalement disgracieux et que ma voix va être pareille à une pluie de petits plombs qui tomberont aussitôt que je vais parler. Je serais aussi bien de retourner m'enfermer dans ma chambre et de n'en plus ressortir avant ce soir. Faut vous détendre, Monsieur Couture. Oui.
Peut-être que si vous faisiez un petit test, juste pour voir. Ça, c'est une bonne idée, comme une répétition. Mais devant vous, cela serait encore plus difficile que devant toute une foule. Seulement quelques phrases, Philippe. Vous voulez bien? Si je m'y assais, ce n'est que pour vous, très chère Albertine. Mais soyez indulgentes, toutes les deux, vous me le promettez? Parfois, c'est nettement plus fort que moi. Alors, je m'assois à ma table de travail. J'oublie la fatigue et l'indigence. Je me dépouille de tout le dérisoire qu'il y a en moi et je ne deviens plus qu'écriture. C'est-à-dire ma beauté à être et... Je ne pourrai jamais, c'est exactement comme je le pensais. Ma voix est pareille à une pluie de petits plombs qui tombent. Quel désastre cela va être. Continuez, Philippe. De toute façon, vous ne serez pas tout seul. Marie-Soleil et moi, on va être là du commencement à la fin. Philippe, je vous en prie. Ce désir de la beauté, ce désir de la tendresse, ce désir d'être de toutes les amours, afin de me retrouver habité par le souffle très grand de la vie et de la passion. Et c'est alors qu'assis à ma table... Il me semblait bien qu'il pourrait pas résister à la tentation de faire un peu de cheval. Pourquoi tu y vas pas avec eux autres? Tu sais ce que je pense des chevaux? Reviens pas sur ces vieilles histoires-là, Junior. Je reviens sur rien, je disais ça de même. Viens donc t'asseoir. Ça me fatigue de devoir rester là dans la fenêtre. Parce que vois-tu, quelqu'un debout devant une fenêtre, ça m'en rappelle des vieilles histoires. C'est comme rien, tu fais exprès. Je sais que ça te brûle la langue. Pourquoi tu ne la poses pas la question que tu veux me poser? Et depuis hier, t'as rien que ça dans la tête. Je sais vraiment pas à quoi tu fais allusion. C'est pas un crime contre l'humanité que tu demandes des nouvelles du pain? J'avais pas l'intention de t'en demander hier, je l'ai pas plus ce matin. Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi tu tenais tant à ce que je viens de te voir. Le prétexte du ménage, pas tellement ton genre. C'était pas un prétexte. Peut-être que j'avais juste le goût de te voir. Tu penses pas que c'est possible à quelqu'un de changer vraiment, quand tu as plus besoin de traîner son passé? Je suis pas contre l'idée. Sauf qu'en ce qui concerne le père, je suis pas sûr qu'il y a plus de passé, là. Quand je suis allée le voir, on a réglé tous nos comptes, lui pis moi. À part ça, tu le sais pourquoi je préfère qu'il soit pas question de lui. Je le fais pour Maxime. En espérant qu'elle apprenne jamais ce qui s'est passé. On t'a tout promis qu'on n'ouvrirait jamais la bouche là-dessus. C'est sûrement pas le père qui va le faire non plus. De quoi t'as peur? Je me méfie de Miville. Miville est pas au courant de rien. Pris avec le testament que le père y a fait, je pense que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Il doit être assez occupé avec, ça doit pas y arriver souvent de penser à toi. De toute façon, Julie me tient au courant de tout ce qui se passe chez lui. À moins une petite affaire de pas correct, crains pas. On va me voir ça dans la cabane pour brasser ça un peu. Comme tu vois, c'est pas compliqué. Quand tu vis ce que t'as à vivre, tu t'occupes pas du reste. Avec Eric, ça va à ton goût? C'est toi qui me connais le mieux, Junior. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Est-ce que tu penses qu'un jour, je pourrais devenir vraiment... vraiment... amoureuse? Oui, amoureuse. Mais je pense qu'il est un peu trop tard pour te poser la question. Parce qu'amoureuse, j'ai bien l'impression que tu l'es déjà. Puis je trouve que ça te va pas si mal, d'ailleurs.
j'étais toi, j'en profiterais. Je vais aller vous rejoindre dans quelques minutes. C'est correct? On s'en ira pas avant. Crains pas. Moi, amoureuse? Ça serait bien la dernière chose au monde qui pourrait m'arriver. Amoureuse. Amoureuse. Pas de température, pourtant. Tu veux me dire ce que t'as? Ça m'a pris quand on était à l'hôtel hier soir. Les oreilles sont mises à me bourdonner, là. J'ai eu comme mal ici, avant que ça me monte dans la tête. Là, c'est comme si on me jouait des cymbales de chaque bord des oreilles. Je pense que le mieux, c'est que je reste couchée. Tu te sens pas bien à ce point-là? Ah. Depuis que je te connais, c'est la première fois que ça t'arrive de vouloir garder le lit. T'es sûr que tu me caches rien? Ça arrive à tout le monde de pas être en forme un matin. Ça va passer. Fais-toi-en pas. Tout ça, c'est la faute du bébé qui arrive pas. Ça te rend nerveuse sans bon sens. Quand je suis retourné à l'hôtel hier soir après être venu voir le père, t'étais pas à même. Tu dansais toute croche comme quelqu'un qui a la tête ailleurs. Faut pas commencer ça, Nathalie. Commencer quoi? À trop t'en faire pour l'enfant. Surtout pas au point de tomber malade. C'est pas ça qui va nous avancer à rien. C'est assez dur de même. Je vais me lever, là. Ça sera pas long. Pas question. Faut que tu te reposes, c'est ça qui est important. Moi, je vais avertir T-Pop qu'on sera pas là à midi. Mais c'est pas parce que j'y vais pas que toi, t'es obligé de rester ici. L'ouverture de la salle à manger, c'est un gros morceau pour Thibault. Tu peux pas y aller. Si tu viens pas avec moi, qu'est-ce que j'irai faire dans la nouvelle salle à manger de Thibault? Depuis que Junior est parti, Thibault fait tout ce qu'il peut pour Julie. Il perd son temps avec elle. Ça date pas d'hier, Gunbitch. Ouais, peut-être. Mais nous deux, on devrait être contents qu'à cause de Thibault, Julie en arrive de temps en temps à oublier le beau-père. Faut que tu le fasses, Miville. Si t'es pas là avec moi, j'aurais l'impression d'être... T'es comme un veuf, Gunbitch. Je pourrais pas. C'est correct. Je vais y aller avec toi. Même si je file vraiment pas pour ça. Laisse-moi me reposer un peu. Peut-être que ça va aller mieux tantôt. Ben oui. Ça va aller mieux tantôt. Dors bien. Je vais revenir te revoir plus tard. Que Bab voudrait pas venir. Comment ça va, Nathalie? Elle va pas mieux que quand on s'est réveillé. Pour un midi, t'es aussi bien d'oublier ça, T-Bob. On pourra pas être avec vous autres. Oh, vous pouvez pas me faire ça! Si toi, Nathalie, puis M. Gallardo, vous venez pas, de quoi je vais avoir l'air, moi, pour inaugurer la salle à manger? Eh bien, ça va faire plus pour nous autres, c'est tout. Ah, et si vous alliez le voir, M. Gallardo, peut-être que vous arriveriez à le convaincre, vous? Le dimanche, Xavier sort jamais de sa chambre. Il n'y a rien à faire contre ça. Ben, vous pouvez quand même essayer. Juste pour voir. Ça ferait du bien de pas de sortir un peu. Si vous êtes toutes d'accord pour m'envoyer à l'abattoir, c'est correct, je vais y aller. Et vous me serez redevable du paquet de bêtises que je vais m'attirer, mes tabarnances. Qu'est-ce que c'est en cours? Je sais que tu veux pas être dérangé le dimanche. Si tu le sais, pourquoi tu le fais? Ben, Julie vient de nous apprendre que tu veux pas venir à l'hôtel. Et moi, il me semble que tu pourrais faire un effort
même si c'est dimanche. Tu me dis assez de même à longueur de semaine, c'est pas quelques heures de moins qui vont peser fort dans la balance. J'ai dit non à Julie, je vois pas pourquoi je te dirais oui à toi. Il y a déjà bien assez de Méville et Nathalie qui viennent pas. Comment ça, Méville et Nathalie, ils vont pas? Nathalie a ses sentiments à l'hôtel hier soir, puis ça va pas mieux matin. À l'hôtel hier soir? Qu'est-ce qu'il y a eu à l'hôtel hier soir? Un gros mal de tête qui s'est jeté chez elle, ou bien quelque chose d'autre. Je sais pas, moi. Avec les femmes, on sait jamais. C'est pas parce que tu le veux, mais ça t'arrive des fois de dire des affaires sensées. Ça signifie quoi, ça? Rien de plus que vous y aller à l'hôtel, mais avec vous autres. Comme ça, Nathalie va être bien tranquille pour trouver pourquoi un gros mal de tête s'est jeté sur elle hier soir, sans prévenir. Et toi, Thibaut et Julie, vous avez pas besoin de m'attendre, par exemple, pour me faire conduire par Méville. Méville, il vient pas avec nous autres. Pour m'en occuper. Ça serait mieux que tu le fasses tout de suite. On va le faire tout de suite aussi. Ben, avoir su que c'était pour tourner de même, avec pas plus de monde que ça qui viendrait, j'aurais retardé à la semaine prochaine l'ouverture de la salle à manger. Ça aurait rien changé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de plus que Nathalie aurait pu tomber malade dimanche prochain. Comme moi, j'aurais pu faire pareil une entaille à ma décision de rester dans ma chambre le dimanche. Ah, non, c'est pas vrai. Vous êtes en train de nous dire que vous venez manger avec nous autres? En autant que ce soit toi qui te charge de m'emmener là puis de me ramener. Je veux pas attendre après n'importe qui. Nathalie est malade. Je veux pas la laisser toute seule. Qu'est-ce qu'il dit qu'elle aimerait pas mieux qu'on la laisse toute seule quand elle est malade, se reposer? Ça se fait mieux quand il y a personne à l'entour de soi. On va aller vous rejoindre. Faut que j'en parle à Nathalie avant. Fais donc ça. Ben, je suis pas un chien de faillance. Qu'est-ce que vous avez tout à me regarder de même? On est surpris, c'est tout. J'ai pas le droit de changer d'idée, des fois. Pourtant, ça a l'air à mode, ça, changer d'idée. Merci, père. De rien, ça me fait plaisir. Pour toi, en tout cas. Pour les autres, c'est peut-être moins sûr. Je veux bien faire ça pour le pays, mais ça m'ennuie de te laisser tout seul demain. Mais il n'y aura pas de problème. Je vais dormir. Ça va aller mieux quand tu vas revenir. J'aime pas ça pareil. Il peut arriver n'importe quoi pendant que je serai parti. Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui est couché dans son lit puis qui dort? Pense plutôt au beau-père. En sortant avec toi, il va peut-être se montrer plus vivable cette semaine, mais je pense que c'est pas rien. C'est vrai que ça peut pas y faire de tort. Mais si je vais avec lui à l'hôtel, ça va être juste une petite saucette. Je m'arrangerai bien pour qu'on revienne le plus vite possible. C'est toujours long, ces repas-là. Prenez tout le temps que vous aurez de besoin. Oh, d'avoir personne dans la maison, là, je suis sûre que ça va me faire du bien. Fais attention à toi. Repose-toi comme il faut. Ville, quand même pas l'artiste de la mort. Que c'est que tu brettes, Méville? J'arrive, le pain, pas une pain vert. Y a rien qui presse, midi est encore loin. Midi est peut-être encore loin, sauf que moi, je suis comme les tortues, je suis obligé de transporter ma maison avec moi, puis les maisons, ça court pas vite. C'est vrai qu'en partant plus vite, on va revenir plus vite aussi. Tu dois être comme moi. T'as pas l'intention de passer le reste de la journée à faire des guili-guili à Thibaut Caillouet. Si on commençait par partir comme ça, on aurait peut-être le temps de se rendre avant de revenir. Ouvre la porte, que c'est que t'attends? Mais s'il arrive pas dans deux minutes, là, moi, j'ouvre la salle à manger. On peut quand même pas attendre de midi à 14 heures, my man. Ceci est mon avis, Thibaut, parce que moi, tout de suite, après dîner, faut que je filme. Puis la musique? Je te l'ai dit qu'après le repas, j'avais quelque chose de bien important à faire. Tu mettras de la musique enregistrée, c'est tout. Ben, y a jamais moyen de te faire confiance, toi. T'en promets toujours plus que t'es capable d'en tenir. Si tu veux, y a du monde de même. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font, donc? Ah! J'avais quasiment peur que vous changiez d'idée, vous autres. C'est pas mon genre. Je vous offre l'apéritif. J'ai été invité à manger, pas moi. On peut vous arranger ça. Vous avez juste à me suivre. Vous pouvez laisser vos verres ici. Il y a tout ce qu'il faut de l'autre bord. Là, on va aller voir ça. Le
Nathalie, elle est pas venue? En quoi ça te concerne? Je demande ça de même. C'est normal de s'informer de ses amis. Joe, ça fait plusieurs fois, je te le dis déjà. Arrête tes insinuations au sujet de Nathalie. Je t'avais de plus pouvoir les prendre, gun bitch. C'est pas grave. Quand t'en prendras plus, un autre va s'en charger à ta place. Maudit que t'entends pas rire. Avec des gens comme toi, c'est difficile de faire autrement. Alors voilà. J'ai choisi les couleurs et puis, ça a pris deux mois, comme il faut. Je m'attendais pas à ça, pas à tout, tu vois. Il me semble que ça fait un peu pas mal moderne, tu trouves pas? Ben, il est temps qu'on s'ajuste au monde d'aujourd'hui. Tu peux te compter chanceux que Delphine soit allé à Rivière-du-Loup pour le concours de labourage. Ah ça? Mais t'as dit que tu te ferais poncer un savon. Hey, dites-moi pas que vous aimez pas ça. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est étonnant, mais je suis pas contre. Les murs vernis, les portes décapées puis les ceintures fléchies, c'était peut-être bien beau à l'ère précolombienne. Mais là, on vit dans un autre monde. Vous pensez pas, M. Galarneau? Je pense juste qu'on n'est pas venu ici pour rester en tapant de même devant la porte. Si on est pour manger, ce serait le temps qu'on le fasse. Vous avez bien raison. Bon, ben, choisissez vos places, faites comme chez vous. Ici, ça vous convient? On va aller m'attabler là. Comme ça, le bruit de la musique va peut-être couvrir le bruit du monde qui parle. Ah, c'est comme vous voulez. Sentez-vous bien les pas. Merci. Monsieur, venez. Attention, mon Joe. À toi. Ouais. Tout ce qui manque, c'est que Junior y soit pas là. Je l'aurais bien vu faire la musique pour l'ouverture. Ça aurait été comme un apothéose, my man. Une salle à dîner sans menu, ça fait pic-pic en gun bitch, si tu veux mon idée. Les menus? Ah oui. Ah, je les ai laissés sur le bord. Je reviens tout de suite. Si tout le reste est à l'avenant, on n'est pas sorti de ça. On sortira quand ce sera le temps. T'aimes pas la musique, t'es? Que vous y ayez pensé, très cher Albertine. J'aime bien cette musique, elle est tout à fait apaisante. On a l'impression de flotter dedans. Je ne croyais pas que Judith et Junior pourraient en faire une si touchante démonstration. Remarquez, moi aussi, je pensais pas qu'ils pouvaient jouer des choses comme ça. En tout cas, c'est pas le même Big Pan tout qu'il y avait chez Myriam cette nuit. J'ai pas ça, par exemple. Je voudrais pas vous presser, M. Couture, mais ça serait le temps pour votre conférence. Déjà. Ne vaudrait-il pas mieux que les choses en restent où elles sont, dans cette calme musique, que pourraient bien être les mots après toute cette douceur? Venez, Monsieur Couture. Une autre surprise encore, décidément, c'est la journée de conspiration. Bonjour. Bonjour. Vous privez de tout ce beau soleil qu'il y a dehors pour venir m'entendre. Vous n'auriez pas dû. On s'excuse d'arriver aussi tard. Mais comme Maxime a préféré rester au centre équestre et qu'il s'est décidé à la dernière minute, on a perdu pas mal de temps. Vous avez manqué le repas, mais c'est pas trop tard pour la conférence de M. Couture. Merci. Faudrait y aller. Des heures pour vous présenter M. Philippe Couture, notre premier conférencier. En plus d'être un homme d'affaires, M. Couture a publié sous le pseudonyme d'Émile Miller, Fragments pour un fleuve, Les voyages d'eau chez Gaston Miron.
Il prépare actuellement, en collaboration avec Madame Albertine Galarno, une très gigantesque anthologie sur le fleuve. Je cède tout de suite la parole à Monsieur Philippe Couture, qui va nous parler du plaisir d'écrire. Comme a déjà dit un politicien célèbre, avant de parler, je voudrais vraiment vous dire quelque chose. C'est que depuis que je sais lire, la poésie a occupé le centre de ma vie. Mais j'étais condamné à ne pas écrire vraiment. On n'écrit pas vraiment lorsqu'on ne fait que s'enfermer dans sa solitude pour noircir toutes ces pages qui ne vous renvoient jamais qu'à vous-même. Et cela, je ne l'ai compris que tout récemment. Écrire doit être une passion partagée, pour ne pas dire amoureuse. Et amoureux je suis maintenant, et si passionnément qu'il me semble que je ne suis plus le même. Que les mots vont enfin venir, dégager de leur solitude, lumière du présent. Et lumière de cette femme qui me l'a fait découvrir, ainsi que l'a écrit si fabuleusement ce merveilleux poète qui s'appelle Gaston Miron. Je suis désormais un homme irrigué et irrigant. De nouveau, je m'avance vers toi, amour. Je te demande passage. Amour. Je te demande demeure. Je crois bien que ma conférence pourrait s'arrêter ici, car que pourrais-je ajouter d'autre qui parlerait aussi souverainement? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive pas? Xavier est sorti deux minutes pour prendre l'air, hésitait à revenir. Quand on s'étouffe, c'est normal de prendre l'air. Que le pain s'étouffe à tout moment, ça commence à me faire de la boucane dans les oreilles. Tu te fais trop de mauvais sens par rapport à l'enfant que toi et puis Nathalie, vous avez pas encore. Faites-moi y pas penser, au moins. Et dans ce cas-là, on fait comme moi. Mange, puis occupe-toi pas du reste. Il va s'en occuper lui-même. Donne faire, tabarnance. Tu pourrais la rire. Les visages te craqueront pas, crains pas. Semble que je t'ai tout expliqué ça hier soir quand je t'ai téléphoné. Je te rends un service, tu m'en rends un, c'est comme ça que les affaires marchent. Toi, si tu trouves pas d'argent rapidement, tu risques de perdre ton camion, ton entrepôt, puis la maison que t'as achetée au village. Moi, si je prends pas une police d'assurance par rapport à mes villes, c'est autre chose que je risque de perdre. Comme je suis pas intéressé, je m'arrange pour que ça arrive pas. Et d'être là à faire écrire à Nathalie que mes villes peut pas avoir d'enfant, puis qu'avant que le ciel lui tombe sur la tête, ça serait mieux qu'elle pense un peu à moi. Je trouve qu'il y a de marge. La marge, t'as trouvé de te débrouiller avec. Pense d'abord à ton camion, à ton entrepôt, puis à ta maison. Tu vas falloir que tu trouves à dire à Nathalie, ça regarde juste toi. Il y a bien des affaires qui peuvent expliquer qu'un gars peut pas avoir d'enfant. Comme le fait d'avoir eu les oreillons quand il était petit, par exemple. Pour l'argent que j'ai besoin. Tu l'auras quand ça sera réglé avec Nathalie. D'ici, est-ce que ça arrive? Je vais dire un bon mot pour toi au gérant de la caisse. Il va t'attendre. T'as pas besoin de préparer pour ça. Je devrais pas aller là. Je le sais que je devrais pas. Pourquoi j'ai pas demandé à Joe ce qu'il avait dans la tête hier soir? Peut-être qu'il veut juste me faire marcher. Non, si c'était ça, Joe m'aurait tout dit hier soir. Il dit tout le temps à tout quand c'est pas important. Pourquoi je suis si sûre de ça que c'est au sujet de mes villes? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, donc? Non, j'y vais pas. Si
j'y vais pas. Puis si Joe, c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à mes villes, il gardera pas ça pour lui bien longtemps. C'est pas mieux. Faut que j'y aille. Bon, ça serait le temps qu'on s'en aille, le pire. Je suis prête, moi. De lui dire qu'on s'en irait quand le moment serait venu. À l'heure qu'il est à maman, tu prends encore le temps. Mais c'est toi-même qui disais qu'on ferait juste acte de présence et qu'on s'en retournerait. J'ai pas l'impression d'avoir rien dit de semblable. Mon oncle va te ramener. Moi, je m'en vais à maison. C'est avec toi que je suis venu. C'est avec toi qu'il va m'en retourner. Respecte tes engagements. Comprends-les. Je t'inquiète pour Nathalie. Ben oui, tu t'inquiètes pour Nathalie, pas vrai. C'est pas la première fois que tu t'inquiètes pour rien. Non, je veux plus n'entendre parler. Merci. Y a-tu quelque chose qui va pas, là? Ben, y a juste que Mivis voudrait rentrer à la maison, puis Xavier se trouve assez bien ici, que ça y tente pour partir. On va te ramener, père. Si j'avais voulu que ce soit vous autres qui me ramènent, vous l'aurez pas demandé à Mivis. Fait qu'amusez-vous, puis oubliez le reste. Ah, c'est vrai. Ça manque d'atmosphère un peu. Je vais arranger ça. C'est ça, arrangez. Bon, bien, comme on est venu ici pour avoir du plaisir, je vais vous faire un peu de musique. Puis si le cœur vous le dit de danser, là, gênez-vous pas le plancher solide. All right. Bonne idée, j'aimerais que tu vois. C'est important que ça à me dire. Je t'ai déjà connu moins agressive. Mais c'est vrai que dans ce temps-là, le père Chenot avait pas encore fermé le robinet, puis que l'argent, t'étais pas contre ça. Si j'avais pas tout perdu à ce moment-là, Miville aurait jamais mis la main sur toi. Joe, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je suis mariée avec Miville. Avec Miville? Ou ben donc, avec l'argent que vous espérez du bonhomme. Ça, ça regarde juste moi. Depuis que je suis mariée, j'ai pas à me plaindre de Miville. Contrairement à toi quand on sortait ensemble. Ça sera plus le cas avant longtemps. J'en ai peur. Bon, ben, si c'était rien que ça que t'avais à me dire, je regrette, je suis pas intéressée à l'entendre. Parce que le meilleur reste à venir. J'ai l'impression que je peux m'en passer. Ça se peut. Mais pour combien de temps? Si j'ai bien compris ce que j'ignore avant de s'en aller à Montréal, à bredouiller à l'hôtel parce qu'il y avait quelques joints dans le corps, j'en serais pas si certain, moi. Tu me feras pas marcher, Joe. Ôte-toi devant la porte. Quand Miville va savoir qu'il peut pas te faire l'enfant, que vous courez pas mal fort après depuis quelques mois, ça va changer. Je le savais que ça t'intéresserait, ce que je vais te dire. Qui c'est qui t'a appris ça pour l'enfant? Les murs des bureaux des docteurs de Paris-Sud ont des grandes oreilles. Comme ça arrivait à Junior d'avoir une grande langue avec quelques joints dans le corps. Si j'ai bien compris, Niville pis toi, vous avez acheté la paix avec le bonhomme en autant qu'il y ait bientôt un enfant des parages. C'est ça, non? Même si c'était ça, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je finirai bien par être enceinte. Ouais. Mais ce sera pas de Miville. Miville a eu les oreillons quand il était petit. Je pense pas que ses bijoux de famille soient en condition pour te faire un enfant. Ça fait que... devine ce qui va arriver... quand il va être poigné face à ça. La paix achetée avec le bonhomme durera pas une éternité, et j'en ai peur. C'est du ce que t'es, Joe. T'es rien qu'un bel écœur, hein? Non! Je suis juste comme toi. Je recule devant rien aussitôt que j'ai quelque chose dans tête. Quand on aime comme je t'aime. Du chantage? T'appelles ça de l'amour, ou toi? Écoute, Nathalie. On a assez packagé ensemble, toi puis moi, pour mettre ce genre de mots-là de côté. Je suis pas un saint, mais toi, avant de te matcher avec Miville, t'étais pas une Maria Garotti non plus. Ça fait que...
Pense-y comme il faut à ce que je viens de te dire. C'est déjà tout pensé. Tes idées croches, tu peux les garder pour toi. Je te demande pas de prendre vraiment avec moi. Mais juste une fois, de temps en temps. Comme à la belle époque. Ce serait assez pour me contenter. Jamais. Tu peux en faire ton deuil, espèce... espèce de dégoûtant! Eh, beau dégoûtant, ouais. Mais quelle différence ça fait? Je me demande bien, par exemple, comment ça se fait que ta camionnette n'est plus dans cours. De laisser tout le temps les clés dedans, c'est bien assez pour se la faire voler. Il y a des assurances, ça n'existe pas pour rien. Je vais aller dire à Nathalie qu'on est arrivé, puis je m'occupe de ça. Se faire voler dans sa propre cour, il manquait juste ça, Gunvich. On est pourtant resté bien assez longtemps à l'hôtel. C'est pas le temps qu'il a dû manquer pour revenir. Qu'est-ce qu'a fait ton cours? Et puis là! Nathalie est plus dans sa chambre! Qu'est-ce qui a bien pu arriver? La camionnette est pas là, puis Nathalie non plus. Comme rien, ils ont dû partir ensemble. Elle était malade! Faut croire qu'il y a des maladies qui soignent vite. T'as rien qu'à t'assurer, puis attendre! Si Nathalie est partie avant venir... J'aime pas ça, Gunbitch. J'aime donc pas ça. Bien sûr. Peux-tu même dire où c'est que tu étais passé? Quand je me suis réveillée tantôt, je sais pas pourquoi, j'avais le goût de boire du lait. Comme il n'y en avait plus dans le frigidaire, ben... je suis allée en chercher. Tu bois jamais de lait d'habitude, sauf dans le café. C'est bien ce qui m'a étonné moi-même. Mais j'étais comme tout endormie, je pense que je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. C'est seulement en revenant du dépanneur que j'ai réalisé que j'avais acheté une pinte de lait. T'es sûre que ça va? Oui. Je me sens mieux qu'à matin. C'était une bonne nouvelle, ça. Que je file bien ou mal, j'ai pas l'impression que ça vous dérange bien gros. Et moi-même, si je te disais que t'as tort de penser ça, j'ai pas l'impression non plus que ça ferait une grande différence pour toi. Je vais remonter dans la chambre, me reposer encore un peu. Je viendrai préparer le souper après. Ben, ça me paraît plein d'allure, mais avant, mets donc la pinte de lait dans le frigidaire comme ça. Il sûrira pas avant son temps. Je vais m'occuper de ça. Monte tes tentes. Je suis content que ça soit juste ça. À un moment donné, je craignais le pire. On craint toujours le pire quand on n'a pas l'homme tranquille. Ça te fait rien. J'ai pas le goût d'entendre ce genre d'affaires-là. Ah ben là, pour les écouter, même que ce serait plus d'avance pour toi si tu les écoutais pas. Tu tournes le fer dans la plaie juste pour que je me monte, hein? Mais tu y arriveras pas. Monter, hein? Ce serait aussi bien que tu le fasses, je pense, comme ça, le mois prochain, on aurait peut-être des bonnes nouvelles au lieu que... pas de nouvelles pantoute. Quand tu fais la journée, pour être si pire. Je le sais que c'est des moments qui sont durs pour toi à passer. Mais c'est pas la peine de pleurer pour. Moi aussi, j'aurais bien des raisons de me laisser aller. Mais le pays sera trop content pour que j'y fasse ce plaisir-là. Pense juste à comment ça va être quand l'enfant va être là. Il va y avoir trois fois plus de bouvillons dans l'enclos. Dans le champ qu'on a clôturé devant la maison, ça va être plein de vaches, au ventre tendu comme des tambours, prêtes à mettre bas. Faut pas que tu pleures. Il reste juste un mois à passer encore. Après, tout le monde, on va le savoir que t'es enceinte. Mais si je l'étais pas encore? Ça sera à moi de me poser des questions, pas à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si t'es pas enceinte le mois prochain, ça sera à mon tour d'aller voir le docteur. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Une petite visite chez le docteur, c'est pas à moi d'un homme. Fais-moi un enfant, Miville. Je veux que tu fasses un enfant.
Lâchez pas pour votre livre. Ça va être le fun. Merci, Junior. Et bon succès pour votre musique. Bon succès pour ta musique. Salut. Au revoir. Au revoir. Ah, l'énergie de la jeunesse, comme c'est beau à voir. Vous ne croyez pas, Stéphanie? Si j'étais Monsieur Gagnon, je dirais que c'est toujours les mêmes qui ont toutes. C'est juste moi qui me retrouve toute seule puis à qui arrive rien. Mais voyons, Stéphanie, t'es pas sérieuse quand tu dis ça? Ben oui, je suis sérieuse. Myriam habite plus avec moi. Je me retrouve comme une dinde dans un appartement qui me ressemble pas. Puis en plus, voilà qu'à compter de demain, je vais t'avoir en face de moi toute la journée. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une vie, ça? Je blaguais, Emma. Oh, j'aime mieux ça. Non, j'ai juste hâte que Siegfried arrive enfin. Quand est-ce qu'il revient? Dans quelques semaines, si tout se passe bien. Oh, puis j'aime autant vous avertir tout de suite, Monsieur Couture. Dès que Siegfried atterrit à Mirabel, vous ne me reverrez plus pendant quelques jours, certain. Revoir la grève du cap au marteau avec Siegfried. Oh, c'est bien simple, rien que d'y penser. J'en ai des grands frissons dans le dos. Comme des petites vagues toutes moutonneuses qui me chatouillent la peau. C'est fou, hein? Laisse faire encore un peu, Myriam. J'irai chercher tantôt. Il m'avait pourtant promis qu'il passerait pas la nuit dans l'écurie comme hier. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire au collège demain? Oh! Maxime a pas cessé d'étudier de toute l'année. Qu'il fasse des découvertes par lui-même, je pense que c'est pas mauvais pour lui. Il y a peu de choses qu'on retient vraiment de son enfance. Qui sait? Maxime va peut-être retenir celle-là et plus tard, ce sera comme un cadeau des dieux toutes les fois qu'il va y penser. Toi, t'as pas de souvenirs d'enfance comme celui-là? Oui, j'en ai quelques-uns. Ça devait être plein de chevaux. C'est bien ça le plus curieux. Il y a pas de chevaux dans ces souvenirs-là. Il y a ma mère. Il y a des fleurs. Il y a le soleil tout autour de la maison. J'avais un petit arrosoir à la main et j'arrosais les plantes pendant que ma mère pinçait les boutons des fleurs. Les fleurs, c'était sa passion. Il y en avait partout, avec toutes sortes de noms bizarres qu'elle enfilait l'un après l'autre, comme une litanie. Je me souviens qu'elle disait « Aphélandra, Belloperone, Aglaonema. » Moi, je pensais que c'était pas des noms de fleurs, tout ça. Je pensais plutôt que c'était des noms de tribus indiennes. Ou bien des flèches qui avaient poussé dans la terre pour se transformer en couleurs, grâce à ma mère. C'est la première fois que tu me parles de ta mère. Depuis que je te connais, c'est la première fois que je parle de pas mal de choses. Ça doit t'ennuyer. Non. Non, pense pas ça. Tu me fascines, Myriam. Je pense que c'est loin de l'ennui. Je sais pas si un jour je serai capable. Il me reste tant de choses à apprivoiser. J'espère que tu vas en garder quelques-unes de terriblement sauvages, comme les fleurs dont parlait ta mère. Comment elle disait? Aphélandra, Belloperone, Aglaonema. Je vais les retenir. J'ai besoin d'enfance, moi aussi. Encore, tu veux bien? Aphélandra. Aphélandra. Belloperone. Belloperone. Aglaonema. Aglaonema.